Certains se rencontrent pour la première fois en cette fin du mois d'octobre. Depuis le 2 novembre, ces praticiens ont commencé à exercer dans ce centre inimontain. Leur point commun, ils travaillent tous autour de la périnatalité. Travailler en fait en pluridisciplinarité, travailler avec des collègues et pas seulement tout seul dans son cabinet. Et c'est surtout en fait la prise en charge globale du patient et des patients. Les efforts et les technologies qu'ils y ont mis, enfin moi en tout cas c'est quelque chose qui est assez rare dans mon domaine. Souvent on a quelques praticiens avec nous, moi je travaille avec quelques infirmières, voilà, mais c'est souvent assez limité. En tant que psychologue, c'est vrai que c'est tellement enrichissant de pouvoir parler avec d'autres professionnels qui sont plus axés sur le physique. Et toutes les autres professions, parce que c'est la richesse de l'interdisciplinarité. 14 professions sont représentées dans ce pôle périnatal. Les praticiens tous à mi-temps se partagent 7 cabinets dans ces locaux de 175 mètres carrés. À l'origine de l'idée, un couple parent de 2 enfants. On a eu 2 enfants avec ma femme. Et en fait, on a eu cette problématique justement de ne pas avoir de praticiens disponibles à proximité, comme nous vivons à Montigny-le-Bretonneux. Et du coup, c'était l'opportunité justement d'apporter une solution à toutes les personnes qui vivent à proximité et qui n'ont pas besoin de courir. Situé dans les locaux au-dessus de la gare de Saint-Quentin en Yvelines, le pôle cherche à compléter son équipe avec un pédiatre et un gynécologue.